cardiaque m'amuse en tournant Léandre. Il appartient à la Mana de Chile. Il est marqué du numéro 233. Il défend une cocarde et deux imprimés, 27 euros chacun. Le camping Belle Rive à Montmain porte la cocarde à 30 euros. Le Crédit Agricole Montmain à Ramon, 2 euros de plus. Coupe de la cocarde, 32 euros pour Johan Gaillardé. La cocarde est maintenue à 32 euros après la coupe. SARL Marquis, maçonnerie générale, à Montmain, 2 euros de plus. GM Combustible, établissement Julien à Main, 2 euros de plus. La cocarde, 36 euros pour Julien Martinez. Gianni Santa Maria, plombier chauffagiste à Montmain, porte le premier gland à 30 euros. L'école Taurine Nîmes Métropole Bouillargues, 2 euros de plus. L'école Taurine de Porcelville-du-Rhône, 2 euros de plus. La fosse, pardon, excusez-moi. Le premier gland, 34 euros pour le jeune Boutarka, Milan. Le deuxième gland, 27 euros pour Maxence Chana. Monsieur Gérard Blanc, conseiller départemental du canton, porte la première ficelle à 30 euros. Les chips blancs à Beaucaire, les meilleurs chips de Camargue, 2 euros de plus. La maison de la presse sur le portail à Montmain, 2 euros de plus. Le bandeau de Saint-Laurent-des-Gouzes et son printemps des Royales, 2 euros de plus. Pneus service, zone artisanale à Jonquière, 2 euros de plus. Monsieur Jean-Jacques Rochette, maire de Coms, vice-président de la Comcom du Pont du Gard en charge des traditions, porte la première ficelle à 40 euros. Le relais du canard chez William et Emeline à Redessin, 2 euros de plus. Bonnet chichi devant les arènes, 2 euros de plus. Liliane Martel, une déléguée à la retraite qui en profite bien, 2 euros de plus. Les gîtes de France à Montmain, 2 euros de plus. Elle est levée, 48 euros pour le Maxime Taillet. Mégane Martinez, délégué de course, la porte à 30 euros.
de résine, réparation et rénovation de piscine à Montpouin, 2 euros de plus. Roger Dumas, dit le baron, chez Liamen, 2 euros de plus. Clé-Corps, cordonnerie et fabricant de clés, galerie Carrefour, Beaucaire, 2 euros de plus. Willow Pneu à Cernac, 2 euros de plus. Paul Vial et les compagnons, et Tiroir à Cassion-du-Gard, 2 euros de plus. Janine et Touring TV, 2 euros de plus. Cathy, Auto-École à Montpouin, 2 euros de plus. Garcia, vente réparation, cycle motoculture sur le portail à Montpouin, 2 euros de plus. Carrosserie Montpouinoise, Robert Rivard, 2 euros de plus. Le Café de France chez Mike à Coms, 2 euros de plus. Bar restaurant, le Magenta porte la première officielle à 50 euros. Le Midi Libre, 2 euros de plus. La Marseillaise, 2 euros de plus. Le Jardin d'Estelle, fleuriste à Romoulin, 2 euros de plus. Le Club Torin d'Aramon, 2 euros de plus. Dépouvante, mes petites trouvailles à Barbantane, 2 euros de plus. Le garage JL Automoto à Barbantane porte la ficelle à 60 euros. Franck Saez, adjoint à la commission des associations, 2 euros de plus. Magali Bio, fille de l'ancien portier, 2 euros de plus. Alimentation Générale du Nord à Montpouin, 2 euros de plus. Provence Aménagement Extérieur, Pascal Decaudet et Ludovic Claudic, paysagiste à Montpouin, 2 euros de plus. Le domaine Dépôt des Lumières à Fournaise, 2 euros de plus. Marcel et le Captorin Paul Ricard, 51, la pétaillère de Fournaise, portent la seconde ficelle à 70 euros. Carita, travaux publics et travaux agricoles à Montpouin, 2 euros de plus. Raphaël et MSR Multiservice à Montpouin, 2 euros de plus. Christian Muscat, photographe Torrent, 2 euros de plus. Le Gary, photographe Torrent d'Aramon, 2 euros de plus. Une aficionnade de la Croix de Château-Renard, 2 euros de plus. Les aficionnats du Ponty, 2 euros de plus. Les carrelages méridionaux, établissement Mouret à Beaucaire, portent la ficelle à 80 euros. Les arènes de Mouriès, 2 euros de plus. Les clubs taurins de Fourques, 2 euros de plus. Les clubs taurins de Beauvoisin, 2 euros de plus. Le club taurin de la fiction de Jean-Pierre Saint-Vincent, 2 euros de plus. La bouvine de Marguerite, 2 euros de plus. La cave de Fazan, qui est son nouveau caveau de Côte du Rhône et de Rosé Costière, porte la seconde ficelle à 90 euros. Une ancienne tenue blanche, fidèle aux arènes de Montpouin, 2 euros de plus. Intermarché à Montpouin, 2 euros de plus. Le restaurant au 64 à Pouzillac, chez Claudia et Jo, 2 euros de plus. Le four à délices dans la grande rue à Montpouin, 2 euros de plus. Le Noël, le Toril de Redescente, 2 euros de plus. Monsieur Éric Trémouli, maire de Montpouin, porte la seconde ficelle à 100 euros. Pause café, galerie Leclerc aux Arcs, chez Philippe Mazas, 2 euros de plus. La cave coopérative intercommunale Maine-Cops, Tessier et Montfrin, sans mammouth, ses costières et ses côtes du Rhône, 2 euros de plus. Institut de beauté Just Beautiful, chez Stédia à Montfrin, 2 euros de plus. Salon de coiffure by Nina à Maine, 2 euros de plus.
Le garage du marché à Jean Peugeot à Montcoing, 2 euros de plus. Les établissements produits du matériau de construction à Montcoing portent la seconde ficelle à 110 euros. Les assurances groupe en main sur le cours à Montcoing, 2 euros de plus. Association des Godillots Montpinois, 2 euros de plus. Elle est levée, pas un petit. Alors, elle est levée, elle est pour Nicolas Défont. Bon, alors, rectification. Le taureau qui attrape piste à Tournant Pernod. Il appartient à la manade de Méjeanne. Il est marqué du numéro 251. Il défend une cocarde et deux de l'imprimé, 27 euros chacun. Madalena Villa Clermain à Main porte la cocarde à 30 euros. Coupe de la cocarde. 30 euros pour Maxence Chena. La cocarde est maintenue à 30 euros après la coupe. Kelly et Sarah, le bar d'Aiglo à Main, 2 euros de plus. 32 euros la cocarde pour Julien Martinez. Il a une belle posture. La Web Radio RG30, la radio du Pont du Gard, porte le premier gain à 30 euros. Jean-Claude Constantin, joint à la culture au patrimoine à Montcoing, 2 euros de plus. Le domaine de Jean-Louise. Et son caveau de Côte du Rhône a saisi 2 euros de plus. Imprimerie de la Tarasque à Tarascon, 2 euros de plus. Institut Bel et Bien sur le cours à Montcoing, 2 euros de plus. Oh, my God.
Une ancienne tenue blanche fidèle aux arènes de Montfrein 2 ne roule plus. Les établissements Paulus, matériaux de construction à Montfrein, portent le gland, le premier gland à 40 euros. Bar restaurant le Magenta, 2 euros de plus. Richard et Lydia, le midi bar PMU, 2 euros de plus. La maison de la presse sur le portail à Montfrein, 2 euros de plus. La cave coopérative intercommunale Maine Tessier Coms Montfrein, 2 euros de plus. Yvan Villard, auricole à Montfrein, porte le gland à 50 euros. Le club Torel Laïcière de Nove, 2 euros de plus. Le club Torel Loutouré au Pernet de Pernes-les-Fontaines, 2 euros de plus. Paul Vial, les compagnons du tiroir à Cassion du Gard, 2 euros de plus. Sud Résine, réparation et rénovation de piscine à Montfrein, 2 euros de plus. Daniel Martinez, c'est le cartonnier d'Aramon, 2 euros de plus. Franck Saez, adjoint à la commission des associations, porte le gain à 60 euros. Le premier gain, 60 euros pour Maxime Taillet. Deuxième gland, 27 euros. Il y a encore, il est belle main. Il est belle main, donc il est levé. Donc 27 euros, le gland pour Julien Martinez. Belle Rive porte la première ficelle à 40 euros. Le garage JN L'Automoto à Barbantane, 2 euros de plus. Pizzeria au Petit Bonheur à Maine, 2 euros de plus. Le Café de France chez Mike Combs, 2 euros de plus. Le gars, photographe Torin, porte la première ficelle à 50 euros. Gère, combustible, établissement Julien Amène, 2 euros de plus. Gianni Santa Maria, premier chauffagiste à Montfrein, 2 euros de plus. SARL Marquis, maçonnerie générale à Montfrein, 2 euros de plus. Ginère, maçonnerie générale et béton décoratif à Montfrein, 2 euros de plus. La Web Radio RG 30, la radio du Pont du Gard, 2 euros de plus. Renaud Remoulin. Vente de véhicules neufs et d'occasion de toute marque, 2 euros de plus.
Les amis du patrimoine à Montfouen, 2 euros de plus. Bar restaurant Le Magenta, 2 euros de plus. Le midi bar PMU, 2 euros de plus. Raphaël et MSR Multiservice portent la ficelle à 70 euros. François Cortez, dépannage de sonorisation à Bourg, 2 euros de plus. Réparation petite mécanique et pneus près des arènes à Jean-Pierre, 2 euros de plus. Du jardin à l'assiette, chez Laurent et Petit, route de Beaucaire à Montfouen, 2 euros de plus. Association des commerçants, le cœur de Montfouen, 2 euros de plus. Tout le monde donne de la vie, je dors. Non. Attends. Cherche comment ça marche. Christian Muscat, photographe Torrent, 2 euros de plus. Janine et Tori TV, 2 euros de plus. Tout le monde donne son avis. Pose de café, Caroline Auclair aux Angles chez Philippe Bazas porte la première ficelle à 80 euros. Le garage du marché a toujours en frais 2 euros de plus. Le midi libre, 2 euros de plus. La Provence, 2 euros de plus. La Marseillaise, 2 euros de plus. Le domaine Gifine, vente de vin Côte du Rhône au caveau à Plessis, 2 euros de plus. Le garage Siapi, agent Renault Tollerie et Peinture à Montfouen, porte la première ficelle à 90 euros. Le comité des fêtes Lindouvain des Montfouen, 2 euros de plus. Gianni Santamaria, plombier chauffagiste à Montfouen, 2 euros de plus. Salon de coiffure Baïlina à Main, 2 euros de plus. Monsieur Gérard Blanc, conseiller départemental du canton, porte la première ficelle à 100 euros. Association des Godillots Montfrinois, 2 euros de plus. Les amis du patrimoine à Montfrin, 2 euros de plus. Camargue médicale, achat d'occasion à Beaucaire, 2 euros de plus. Camargue médicale à Beaucaire, 2 euros de plus. Imprimerie de la Tarasque à Tarascon, 2 euros de plus. Le camping Belle Rive porte la première ficelle à 110 euros. Le garage du marché à Jean-Peugeot-Montfouin, 2 euros de plus. Vincent, Guêpe et Frolor, traitement de toiture à Montfouin, 2 euros de plus. Damien Garay, joaillerie camargaise, fabricant du Glandon, 2 euros de plus. Le four à délices dans la grande rue à Montfouen, 2 euros de plus. Les carrelages méridionaux, établissement Beauvais à Beaucaire, 2 euros de plus. Les chips blancs à Beaucaire, les meilleurs chips de Camargue, 2 euros de plus. Le jardin d'Estelle, fleuriste à Romoulin, porte la première ficelle à 120 euros. Yvan Villard, on récolte dans vos publics à Montfouen, 5 euros de plus. Raphaël et MSR Multiservice à Montfouen, 5 euros de plus. La pizzeria au Petit Bonheur à Main, 5 euros de plus. Le bar d'Eilo à Main, 5 euros de plus. Willow Pneu à Cernac, 5 euros de plus. Roger Dumas, dit le baron, Célia Main, 5 euros de plus. Sud Résine, réparation et rénovation de piscine à Montfouen, porte la première ficelle à 160 euros.
dernière minute de course. Attention, c'est bien. Attention. Au monsieur, allez. Tiens-le. Ah, à deux. Ah, il va les appeler. Le concordier qui est en piste à Pournon Ripa. Il appartient à la manade Didolo Langlade. Il est marqué du numéro 437. Il défend une cocarde et deux grands primés, 27 euros chacun. La poissonnerie marine à Beaucaire porte la cocarde à 30 euros. Le premier grand 27 euros pour Maxence Chana. La cave de Fazac est son nouveau caveau de Côte du Rhône et de blanc de costière rouge, blanc, rosé, 2 euros de plus. Le restaurant au 64 chez Claudia et Jo à Pouzillac, 2 euros de plus. Le garage JL Automoto à Barbantane, 2 euros de plus. Magali Bio, fille de l'ancien portier, 2 euros de plus. Coupe de la cocarde. 36 euros pour Maxence Chana. La cocarde est maintenue à 36 euros après la coupe. Vincent, guêpe et frelon, vêtements de toiture et destruction, 2 euros de plus. Le four à délices dans la grande rue Montpoint, 2 euros de plus. Ariane Immobilier, achat vente location dans la Grande Rue, porte la cocarde à 40 euros.
Castorel, nous tourer au Pernel de Pernes-les-Fontaines, 2 € de plus. Des Beauquerois qui sont venus spécialement pour voir la course de Ripa, 2 € de plus. Frank Saez, adjoint à la commission des associations, 2 € de plus. Pascal Laurier, présent dans les arènes, 2 € de plus. Dépouvante mes petites trouvailles à Barbantan, 2 € de plus. Pose Café Galerie Leclerc, aux angles, chez Philippe Mazas, 2 € de plus. Le relais du canard chez William et Emeline à redescend, porte la cocarde à 50 €. Janine et Toril TV, 2 € de plus. L'école Taurine, Nîmes Métropole Bouillargue, 2 € de plus. L'école Taurine de Fosse, 2 € de plus. Le club Taurin, la Fédère de Bouillargue, 2 € de plus. La maison de la presse sur le portail à Montreuil, 2 € de plus. Une ancienne tenue blanche, fidèle aux arènes de Manfred, porte la cocarde à 60 €. Jenny Santamaria, plombier chauffagiste, à Manfred, 2 € de plus. Bonnet Chichi devant les arènes, 2 € de plus. Daniel Martinez et le club Torrent Ramon, 2 € de plus. Béguin, délégué de course, porte la cocarde à 70 €. L'Égypte de France à Montfrain, 2 € de plus. Les huiles du domaine de Césarac, 2 € de plus. Jean-Jacques Rochette, maire de Comps, vice-président de la Comcom du Pont du Gard, en charge de la culture et des traditions, 2 € de plus. Le domaine des captives à Montfrain, 2 € de plus. GM Combustible, établissement Julien à Maine, 2 € de plus. Imam Binat, au public travaux-école à Montfrain, porte la cocarde à 80 €. Le Gary, photographe Torrent Ramon et sa garde rapprochée, 2 € de plus. La poissonnerie Marina Beaucaire, 2 € de plus. Captorel, la brivade de Vauvert, 2 € de plus. Liliane Martel. La cocarde pour Johan Gaillardé à 86 €. La maison de la presse sur le portail à Montfrain porte le second plan à 30 €. Janine et Tori TV, 2 € de plus. Bonnet Chichi devant les arènes, 2 € de plus. Le camping Bellerive à Montfrain porte le deuxième plan à 40 €. Les amateurs de la manade d'Idelot Langlade, en souvenir de Claude, porte le deuxième plan à 50 €. Les chips blancs à Beaucaire, les meilleurs chips de Camargue, 2 € de plus. Peu de service, zone artisanale à Jonquière, 2 € de plus. SRL de Marquis, maçonnerie générale à Montfrain, 2 € de plus. Le Grilladère, Julien, le Grilladère du camping, 2 € de plus. Le mini bar PMU chez Richard et Lydia, 2 € de plus.
Franck Saez, Antoine aux commissions à Montfrain, porte le deuxième gant à 60 euros. Christian Musquin, photographe, 22 euros de plus. Le four à délices de la Grande Rue, 2 euros de plus. La cave de Pazac, c'est costières rouge, blanc, rosé, route de redescente amène 2 euros de plus. Le carton de tourisme redescend 2 euros de plus. La bouvine de Marguerite et ses drôles de dames, 2 euros de plus. Le carton la fiction de Jean-Pierre Saint-Vincent, 2 euros de plus. Yvan Villard porte le second gang à 70 euros. Cameron et le midi libre, 2 euros de plus. Honoré et la Marseillaise, 2 euros de plus. Mégan Martinez, délégué de course, 2 euros de plus. Raphaël, MSR Multiservice à Montfrain, porte le glam à 80 euros. Dépouvante, mes petites trouvailles à Barbantan, 2 euros de plus. Café de France chez Mike à Cops, 2 euros de plus. Le carton et la piscine de Jean-Pierre Saint-Vincent, 2 euros de plus. William et Emeline, le relais du canard en redescend, 2 euros de plus. Le four à délices dans la Grande Rue en Montfrain, 2 euros de plus. Le Clos des Lumières, Côte du Rhône à Fournaise, porte le gant à 90 euros. Isaac Astol sur la route de Montpierre à Montfrain, 2 euros de plus. Les Godillots Montfrinois, 2 euros de plus. Les Amis du Patrimoine à Montfrain, 2 euros de plus. Camargue Bédical à Beaucaire, 2 euros de plus. La poissonnerie Marine à Beaucaire porte le gland à 100 euros. Il a aidé gentiment. Il est gentil. Une ancienne tenue blanche, 2 euros de plus. Daniel Martinez et le Cortorin d'Aramon, 2 euros de plus. Web Radio RG30, la radio du Pont du Gard, 2 euros de plus. Catherine Loukounen de Cops, 2 euros de plus. Kelly et Sarah, le bar Beilo à Main, 2 euros de plus. Monsieur Gérard Blanc, conseiller départemental du canton, porte le blanc à 110 euros. Jean-Claude Constantin, adjoint à la culture et au patrimoine à Montfrain, 2 euros de plus. Les 10 cuisines à Rognonat, 2 euros de plus. Le cantonel La Brivade de Rognonat, 2 euros de plus. Réparation petite mécanique et peu d'offre des arènes à Jonquière, 2 euros de plus. Le garage Siap, agent Renault Tollerie et Peinture à Montfrain, porte le gant à 120 euros. Association des copains de minuscules, 2 euros de plus. Institut bel et bien sur le coup. Entendez-vous, s'il vous plaît. Institut bel et bien sur le cours à Montfrain, 2 euros de plus. Imprimerie de la Tarasque à Tarascon, 2 euros de plus. Du jardin à l'assiette chez Laurent et Virginie. Du jardin à l'assiette chez Laurent et Virginie, route de Beaucaire à Montfrain, 2 euros de plus. Les assurances Groupama sur le course, 2 euros de plus. Bar restaurant Le Magenta à Montfrain, 2 euros de plus. Garcia, vente réparation cycle motoculture sur le portail à Montfrain, porte le gant à 130 euros. Il a
Faisal Alam, 5 euros de plus. Pascal Laurier, 5 euros de plus. Et Ivan Mina, porte le gain à 150 euros. Ginère, maçonnerie générale à Montfrain et béton décoratif, 2 euros de plus. Le Gatorin de la Rivade de Vauvert, 2 euros de plus. Gatorin ou Tchinchei de Fourque, 2 euros de plus. Bonnet Chichi de Vannes des Arènes, 2 euros de plus. Liliane Martel porte le glas à 160 euros. Le Régis Club de Cavaillon, 2 euros de plus. Association des copains de minuscules, 2 euros de plus. €164, le second plan pour Ilan Bukkarta. La ficelle est portée à €150. Et Ivan la porte à 200. Allez. Il vole pas les gars. Vas-y, bonne journée. Attention au super. Thank you.
Le taureau qui a 36 a pour nom Zéphir. Il appartient à la manade Blatière-Bessac. Il est marqué du numéro 425. Il défend une cocarde et deux imprimés. 27 euros chacun. Coupe, premier glin, 27 euros pour Maxime Taillet. Et la coupe, ainsi que la coupe de la cocarde à 27 euros. Alors, elle est coupée ou pas coupée? On me fait signe qu'elle est coupée. C'est très très près chaque fois. Elle est mini-chienne du jour. Il semblerait que la coupe de la cocarde ait été faite par Maxime Taïeb à 27 euros. Le second plan, 27 euros pour Johan Gaillardet. Et la cocarde pour Jeff Dignacos à 27 euros. Le duc de Brossolette à Montfrem porte la première ficelle à 30 euros. Norbert et Lucincei de Fourque, 2 euros de plus. Raphaël et MSR Multiservice à Montfrem, 2 euros de plus. Christian Muscat, photographe Torrent, 2 euros de plus. Mégane, délégué de course, 2 euros de plus. Les assurances Groupama sur le cours à Montfrem portent la ficelle à 40 euros. Jean-Claude Constantin, adjoint à la culture au patrimoine à Montfrem, 2 euros de plus. Letty Cuisine à Rognona, 2 euros de plus. Camaron et le Mini Libre, 2 euros de plus. Oh.
Gianni Santa Maria, portier sur fasciste. Je remercie. La première officielle, 46 euros, 46 euros, à 48 pardon, pour GF Dignacos. €27, la seconde officielle. Le petit prince de Brossolette porte la seconde officielle à €30. Institut bel et bien sur le course à Montfrin, €2 de plus. Camargue médicale à Beaucaire, €2 de plus. Janine et Tori TV, €2 de plus. Gilère, maçonnerie générale et béton décoratif à Montfrin, €2 de plus. Honoré et la Marseillaise, €2 de plus. Pose Café, galerie de Clérosan de chez Philippe Mazas, porte la seconde ficelle à €40. Salon de coiffure Bainina à Bain, €2 de plus. Les Godillots Montfrinois, €2 de plus. Kelly et Sarah, le bar des Loamein, €2 de plus. Liliane Martel qui profite de sa retraite de délégué, €2 de plus. Le Cartorin Labrivade de Vauvert, €2 de plus. Le Gary, photographe Torin à Ramon, €2 de plus. Daniel et le Cartorin d'Aramon portent la ficelle à €50. Une ancienne tenue blanche, €2 de plus. Les amis du patrimoine à Montfrin, €2 de plus. Madalena, Villa Clermain, amène €2 de plus. Le bandeau de Saint-Laurent-des-Grouzes et son printemps des Royales, €2 de plus. Chantal et la bobine de Marguerite, €2 de plus. Et...
pas les branches, hein. La web radio RG30, la radio du Pont du Gard, porte la ficelle à 60 euros. 25, traitement de toiture et destruction de guêpes et de frelons, 2 euros de plus. Le domaine des clos des lumières à Bournaise, 2 euros de plus. La cave coopérative intercommunale Main de Tessier comme ce bon frein, 2 euros de plus. Les carrelages méridionaux et établissement Mouré à Beaucaire, 2 euros de plus. Le garage JL Automoto à Barbantan, 2 euros de plus. Le jardin de sel, touriste à Remoulin, 2 euros de plus. L'Union Taurine Remoulinoise porte la ficelle à 70 euros. Numéro 7. C'est la mort. Les nouveaux menuisiers des arènes, 10 euros de plus. Et la ficelle est à 80 euros. Garcia, vente réparation cycle motoculture sur le portail à Montfrain, 2 euros de plus. Dernière minute de course. Démolition.
Le taureau qui est en piste a pour nom Nome. Il appartient à la manade du Rousty. Il est marqué du numéro 318. Il défend une cocarde et deux imprimés, 27 euros chacun. Coupe de la cocarde, 27 euros pour Maxence Chenat. La cocarde est maintenue à 27 euros après la coupe. La poissonnerie marine à Roquière remporte la cocarde à 30 euros. Bonnet chichi devant les arènes, 2 euros de plus. Bien Cardini, électroménager, vente de réparation et cadeaux dans la grande rue à Montfrain, 2 euros de plus. Provence Aménagement extérieur et paysagiste, 2 euros de plus. Le premier glan, 27 euros pour Johan Gaillardet. Dépôt, vente mes petites trouvailles à Barbantane, 2 euros de plus. Sud Résine, réparation et rénovation de piscine à Montfrain, 2 euros de plus. Paul Bial, les compagnons du terroir à Castillon-du-Gard, portent la cocarde à 40 euros. Le captorien d'Aramon, 2 euros de plus. Le captorien de Pernes-les-Fontaines, 2 euros de plus. Le captorien Labrivade de Vauvert, 2 euros de plus. Ariane Immobilier, achat, vente, location, dans la grande rue à Montfrain, 2 euros de plus. Yannick Santa Maria, plombier chauffagiste à Montfrain, 2 euros de plus. Liliane Martel porte la cocarde à 50 euros. Bonnet chichi devant les arènes, 2 euros de plus. Le camping Bellerive, 2 euros de plus. Une ancienne tenue blanche, 2 euros de plus. Pause de café, Galerie Le Clair aux Angles chez Philippe Mazas, 2 euros de plus. Garcia, vente réparation, cycle motoculture sur le portail à Montfrain, 2 euros de plus. Clé Corp, cordonnerie et fabricant de clés, Galerie Carrefour à Beaucaire, porte la cocarde à 60 euros. La cocarde pour Jeff Dignacos. Le second là, 27 euros pour Maxime Taillet. Le bandeau de Saint-Laurent-des-Gouzes et son printemps des Royales, 2 euros de plus. Roger Dumas, dit le baron, c'est dit Amen, 2 euros de plus. J'aime combustible et établissement Julien Amen, 2 euros de plus. Jean-Jacques Rochette, maire de Cox, vice-président de la Comcom du Pont du Gard, en charge des traditions et de la culture, porte la première ficelle à 50 euros. La maison de la presse sur le portail à Montfrain, 2 euros de plus. Égypte, plan à Beaucaire,
les meilleurs chips de Camargue, 2 euros de plus. Le service zone artisanale à Jonquière, 2 euros de plus. Le gîte de France à Montfrain, 2 euros de plus. Les huiles du domaine de Césarac, 2 euros de plus. William et Emeline, le relais du canard en redescend, 2 euros de plus. Chantal et les drôles de dames de la bobine de Marguerite portent la ficelle à 60 euros. Le Crédit Agricole de Montfrain, 2 euros de plus. SARL Marquis, maçonnerie générale à Montfrain, 2 euros de plus. Le camping Belle Rive à Montfrain porte la ficelle à 70 euros. Julien, le grilladaire du camping, 2 euros de plus. René Chichi devant les arènes, 2 euros de plus. Sud Résine, réparation et rénovation de piscine à Montfrain, 2 euros de plus. Titi, fabricant de devises, 2 euros de plus. Norbert Nesti et le Chinchay de Bourque, 2 euros de plus. Le domaine des Clos des Lumières. Hein. Le domaine des Clos des Lumières à Fournes porte la première ficelle à 80 euros. Ariane Immobilier, achat à vente location dans la grande rue à Montpoint, 2 euros de plus. Yann Cardinier, électroménager, vente, réparation et cadeaux dans la grande rue, 2 euros de plus. Carita, travaux publics et travaux agricoles à Montpoint, 2 euros de plus. Restaurant au 64 à Bougillac, chez Claudia et Jo, 2 euros de plus. Le four des délices dans la grande rue à Montpoint, 2 euros de plus. Intermarché à Montpoint porte la ficelle à 90 euros. Faisal Adam, 5 euros de plus. Pascal Laurier, 5 euros de plus. La cave de Pazac et son caveau de Costière, route de Rodessin à Main, 5 euros de plus. Diamine Santa Maria, premier chauffagiste à Montpoint, 5 euros de plus. Camaro et le Midi Libre, 5 euros de plus. Honoré la Marseillaise, 5 euros de plus. Mégan, délégué de course pour la Fédération Française de Course Camarguaise, 5 euros de plus. Janine et Tori TV, 5 euros de plus. Le Gary, photographe Torrent d'Aramon, 5 euros de plus. Christian Musca, photographe Torrent à Montpoint, 5 euros de plus. Les arènes d'Aramon, 5 euros de plus. Les arènes de Marguerite, 5 euros de plus. Les arènes de Nova, 5 euros de plus. Les arènes de Rognona, 5 euros de plus. Ah, il y a un petit chien là-haut aussi. Les carrelages méridionaux établissement Mouré à Beaucaire, 5 euros de plus. Roger Dumas dit le parole, c'est Yamène, 5 euros de plus. Monsieur Gérard Blanc, conseiller départemental du canton, porte la première ficelle à 180 euros.
Franck Saez, l'adjoint en charge des commissions, 5 euros de plus. Cathy, auto-école à Montfrin, porte la ficelle à 190 euros. La poissonnerie Marine à Beaucaire, 5 euros de plus. Viviane Martel porte la première ficelle à 200 euros. Jean-Jacques Rochette, maire de Comps, vice-président de la Comcom du Portugal, en charge de la culture et du patrimoine, 5 euros de plus. Et Chiplan à Beaucaire, 5 euros de plus. La maison de la presse sur le portail, 5 euros de plus. Yvan Villard, auto-école travaux publics à Montfrin, porte la première ficelle à 220 euros. La famille de Brossolette, 5 euros de plus. William et Emeline, le relais du canard en redescend, 5 euros de plus. La bovine de Marguerite, 5 euros de plus. Pose café, calorie de clair aux angles chez Jean-Pierre Mazas, 5 euros de plus. Yvan Villa porte la première ficelle à 250 euros. Bon, Yvan, quand tu auras fini de t'arracher les cheveux, tu seras comme moi, hein, tu seras marqué pas mal. Hein. Le camping Belle Rive à Montfrin, 5 euros de plus. Sud Résine, réparation et rénovation de piscine à Montfrin, 5 euros de plus. Raphaël et MSR Multiservice à Montfrin, 5 euros de plus. Norbert Nessi et le Kinchei de Fourque, 5 euros de plus. Le garage JL Auto Moto à Barbantane, 5 euros de plus. Robert Rivard, c'est la carrosserie Montfrinoise, 5 euros de plus. Restaurant au 64 chez Claudia et Jo à Bougiac, 5 euros de plus. La déléguée de course, 5 euros de plus. Le midi libre, 5 euros de plus. Pascal et Faisal portent la ficelle à 300 euros. Dernière minute de course. Oh.